messieurs, mesdames, personnes non binaires. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, tu vois, en pleine nature, au milieu des mégalithes des langues de Hango. Il n'y aura pas de van, il n'y aura pas de sponsor. Aujourd'hui, on va parler de chamanisme dans le jeu de rôle. Alors d'abord, je vais te donner une définition du chamanisme. En fait, c'est une forme d'animisme qui est centrée sur la figure du chaman, qui intercède en fait avec les esprits ou avec les forces de la surnature. Et pour ce faire, en fait, il va passer soit par le biais de la possession ou par le biais du voyage chamanique. En fait, ce sont deux formes de transe que peuvent aussi expérimenter le malade, le possédé ou la personne qui est en crise, ou la communauté en l'occurrence, ou les personnes qui passent une initiation, enfin toutes ces personnes qui vont passer entre les mains du chaman parce qu'ils ont un passage à effectuer et le chaman en fait va les aider à accéder à la transe, à la possession ou au voyage chamanique. Alors il y a différentes formes d'induction de la transe, hein. Le tambour, la danse, les substances aussi, hein, clairement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chamanisme, ça regroupe des réalités très très différentes, hein. Le chaman, au départ, c'est un terme sibérien, donc c'est vraiment inspiré des chamans de Sibérie. Mais on va aussi parler de chamanisme pour les pratiques autour de l'ayahuasca au Pérou, pour tout ce qui est pratique des guérisseurs d'Amérique du Nord. Alors, a priori, justement, les hommes médecine, les guérisseurs, les hommes et femmes médecine, les guérisseurs d'Amérique du Nord n'aiment pas trop qu'on les appelle des chamans. C'est un peu. Ils contestent cette appellation, quoi. Mais il y a quand même des pratiques de transe avec la danse du soleil, avec la fumigation et compagnie, quoi. Il y a certains points communs, quoi. Et il y a aussi, il y a aussi du chamanisme en Polynésie, et dans d'autres, quasiment, à bien des endroits dans le monde. Il faut bien comprendre que, voilà, quand on dit chamanisme, quelque part, on fait une grosse agrégation, une caricature de pratiques qui, en fait, sont très, très différentes, quoi. Et rappeler qu'il y a certaines peuplades qui ne préfèrent pas qu'on dise qu'elles ont des pratiques chamaniques. Alors, quel est le lien avec le jeu de rôle, me diras-tu? Excellente question. Eh bien, je dirais qu'il y a, on pourrait qualifier le jeu de rôle, si tu veux, déjà de pratique chamanique. C'est-à-dire qu'en fait, la joueuse, en quelque sorte, elle est possédée par son personnage. En anthropologie, c'est ce qu'on appelle le double binding. C'est en GN, c'est ce qu'on va appeler l'alibi tout simplement. C'est-à-dire que la joueuse n'est plus là en fait, c'est son personnage qui prend sa place et qui prend la responsabilité de tout ce qui va se passer durant la fiction, quoi. Donc c'est en fait cette possession est une dépossession volontaire pour aller non seulement vers ailleurs, mais pour aller vers quelqu'un d'autre, pour laisser s'exprimer quelqu'un d'autre. Et évidemment, on peut aussi considérer que MJ est. A aussi ce principe de possession, MJ va être possédé par les PNJ. Donc on a ce même principe de double bind, parce que, et c'est vrai dans le chamanisme, hein, c'est-à-dire qu'un chaman ou un malade peut se retrouver possédé par plusieurs entités durant la même cérémonie. Hein. Et puis tout simplement, l'espace imaginaire créé collectivement par les joueuses peut être qualifié de monde chamanique, de voyage chamanique, de transe collective. En quelque sorte, le point commun, si tu veux, entre les rôlistes et les chamans, c'est que ce sont tous les deux des psychonautes. C'est une pratique de psychonautisme, de voyage mental. Alors, on peut jouer du chamanisme en jeu de rôle aussi, hein, donc, au-delà d'analogie, hein, on peut vraiment faire du jeu de rôle sur le chamanisme. Donc, tu peux, MC peut avoir certains PNJ qui soient des chamans. On peut pratiquer des rituels de guérison dans le cadre d'un jeu de rôle. Par exemple, c'est le cas de mon jeu de rôle Ho'oponopono, qui est inspiré en fait d'un rituel polynésien, un rituel de guérison collective. Alors certes, là, dans le jeu, ce sont des personnages qui font ce rituel de guérison. Après, il y a beaucoup à dire sur l'aspect transformatif et le fait que je pense quand même que les joueuses ne ressortent pas indemnes. Ne ressortent pas intacts du rituel, elles vont être aussi touchées, affectées à leur manière, ça va les faire progresser, alors je dirais pas spirituellement, mais plutôt humainement et tout, dans l'empathie, dans est-ce que je suis capable d'aller dans un exercice de pardon, de remerciement, des choses comme ça.
ou pas, hein, ça peut être aussi la révélation que tu es en obstruction avec ces principes-là. Hein. Je ne suis pas là pour te dire quelle voie tu dois prendre. Mais en fait, du coup, toute cette grande, enfin petite famille de jeux de rôle qui vont utiliser le chamanisme dans leur fiction, dans leur dispositif, ben, c'est presque un genre narratif à part entière autour de l'expérience cosmique, expérience psychédélique, initiation spirituelle. Alors, si je devais te proposer un de mes jeux qui est vraiment absolument là-dedans, c'est bien sûr Psilozone, hein, puisque Psilozone, c'est un jeu pour faire des voyages chamaniques dans la forêt de Milvaux. Et là, c'est vraiment, ça te propose vraiment une synthèse totale un petit peu de toutes les pratiques. Je t'ai expliqué qu'il y avait beaucoup de pratiques qui étaient différentes entre elles, contradictoires entre elles. Psilozone a un petit peu l'ambition voilà, d'en faire un syncrétisme, une synthèse. Du coup, dans un univers fictionnel, on peut se permettre voilà, de mettre un peu sur le même côté des choses qui ne devraient pas se côtoyer, quoi. Et puis, tout simplement, dans l'univers de Milvaux, il y a aussi différentes pratiques chamaniques, différentes réalités magiques et compagnie, quoi. En fait, on pourrait aussi dire que l'univers fictionnel en lui-même devient magique, transcendantal ou chamanique. C'était le cas d'un de mes théâtres pour une forêt indienne qui s'appelle Aboriginal. Il est super dur à prononcer, Aboriginal Politica. Non, c'est sur Aboriginal Apocalyptica. Enfin, Apocalypse aborigène, tu m'auras compris. Ou Aboriginal Politica, si on veut aller un petit peu plus vite. Et en fait, grosso modo, c'est sur un monde aborigène en Australie qui est en train de s'effondrer sur lui-même. Du fait de la colonisation. Et c'est un monde lui-même qui est magique, transcendantal, c'est un monde du rêve où tout est symbolique, tout est magique. Voilà, c'est le monde en lui-même est chamanique. Enfin, je vais faire une vidéo sur la transe, mais j'en parle quand même vite fait. On peut s'induire soi-même en fait pour accéder à un RP qui soit intense, à du trama. La transe, en fait, on peut aussi incarner un perso qui lui-même entre en transe, même sinon on ne va pas rentrer en transe. Et en entrant en transe, il va pouvoir décrire un monde chamanique, il va pouvoir opérer un voyage chamanique ou encore déclamer des prophéties chamaniques. Alors, un petit point pour finir sur les aides de jeu, en fait, comment on peut voilà, un petit peu s'aider. Eh bien, il y a les substances bon, ben, que je ne te conseille pas, hein, je te préviens juste que. Voilà, c'est une pratique qui existe. L'alcool aussi, bon, je ne te conseille pas non plus, mais bon, ça peut savoir que ça peut fonctionner, ou que ça se pratique. De façon plus light, on a le tambour chamanique et la musique qui peuvent quand même induire des effets très, très puissants si c'est bien utilisé, quoi. Moi, je te conseille beaucoup le recueil de poèmes slogans de Maria Sundayeva, espèce de chamanisme sibérien post-soviétique, enfin c'est des trucs à déclamer si tu veux, une ambiance de fou, ça marche vraiment trop trop bien. Et puis j'ai un jeu qui s'appelle la Tourbe et la Paupière, c'est un jeu poétique dans l'univers de Milvaux qui te donne vraiment énormément de clés pour faire des déclamations chamaniques, des déclamations poétiques oniriques. Là-dessus, ben, je t'invite à prendre bien soin de toi, à progresser dans la voie de l'esprit. Et puis, bah, je pense que c'est important qu'on discute de tout ça. Donc, pense à mettre des commentaires.